Thank you for calling Boeing Industries. Here are four different options available on your phone keyboard. To make a choice of which language you wish being switched with... No. To make a choice of which language... To which... No. To make a choice of which language... To make a choice of which language... Non, ça doit être le 2. Non, c'était le 3. Non, c'était le 2. 2. Bonjour. Nous vous la souhaitons bienvenue dans la compagnie de violation Boeing Industries. Répondez donc. Ce sera un plaisir pour nous d'aller assister à votre service. Cet maman et ma tante sont bien involontaires de notre part. Pour converser votre frivolité de pelle, veuillez danser en ligne. C'est bien, nous non? Nous aimerions vous souffrir gracieusement cette petite blague. Faites-moi une phrase avec Boeing. Nous vous souhaitons une Boeing journée. Oui, c'est quand même répondre. Tabarnoule que je me trouve drouche. Département des ventes, Winston Cochon, comment je peux-tu vous aider? Ouais, bonjour, ce serait pour acheter un Boeing, s'il vous plaît. Un Boeing? Un Boeing? Un Boeing? Un Boeing, un Boeing, un Boeing. Un seul Boeing? Ben là, c'est en masse, là. Lequel modèle? Le 747, là, le, bon. Avec la bosse, là. Pour quelle compagnie? Non, c'est pas une compagnie, là, c'est moi. C'est pour un gouvernement? Non, non, c'est pour moi. Non, je vous explique, c'est parce que c'est rare qu'on vend ça juste à... Juste quoi? Juste quelqu'un, là. Ben quoi, c'est quelque chose d'être quelqu'un, là. Pardon? C'est un compliment quand tu dis à quelqu'un, t'es vraiment quelqu'un. Je comprends pas le... It's a compliment when you say to cocoon is really cocoon. Est-ce que c'est la première fois que vous téléphonez? Non, j'ai appelé avant hier, mais le... D'accord. Le gars, il m'a envoyé chier, imagine-toi. OK, alors ça, c'est déjà fait. Oh, oui, oui. Okay. Ça, c'est... On a passé cette étape-là. Ben, vous comprenez qu'on peut pas vraiment vous vendre ça, là, pif, paf, pouf, là. Ouais, mais... Vous savez... Mettons, pouf, pif, paf, ça marcherait-tu? Ben, en principe, là, je peux pas vous en vendre... J'en veux pas. J'en veux un. C'est un achat sérieux, monsieur, là. Je suis très sérieux, monsieur, là. Bon. Je suis sérieux. D'accord. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît. Frenette Guillaume. Monsieur Frenette. Ouais. Ou bien Pet Sauce. Hein? Il y a beaucoup qui m'appellent de même, là. Bon. Puis les réacteurs de ça, là. Oui. On a-tu un choix ou? Pas vraiment, non. On peut pas choisir, là. Comment je dirais bien ça? Bon, c'est pas possible d'avoir. Pour que l'avion vole. C'est pas ça que je voulais dire. Il faut que ça fasse. C'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on peut-tu choisir, mettons, les réacteurs comme telle marque à la place de telle marque, mettons? Ben, vous voulez quelle marque à la place de quelle marque? Ben, je sais pas. Bon, mais si vous savez pas, monsieur... Ouais, ferme ta gueule. Hein? C'est ça que vous étiez pour dire. Non, j'étais pas pour le dire, ouais. Mais j'étais pas contre non plus. OK. Bon, écoutez, monsieur Traz de Bray. Petsos. Le prix de base d'un appareil comme celui-là est de 91 633 281,47. Je l'ai. Bon, d'accord, et maintenant, il faut parler des options. Ouais, on peut-tu avoir une table de poule? Oui, mais... Je pense que ça serait le fun dans l'avion. Quand l'avion fait un virage, je garantis pas que les boules vont rester là. OK, ouais. Vous savez, parce que... C'est mieux de pas avoir de danseuse non plus. Vous m'attendez une minute, je vais voir ce que je peux faire. Merci, monsieur. Au moins, lui, il fait quelque chose. Voyons. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voyons. Allô? Savez-vous ce que je peux faire? Non. Je peux rester en équilibre sur la tête 4 secondes sans les mains. Ah, mais c'est beau, ça. Voulez-vous que j'aille voir s'il y a d'autres choses que je peux faire? J'ai demandé pourquoi qu'elle faisait ça, puis elle a dit que c'était à cause que... Elle puis moi, que sexuellement, ça marche pas fort. Ça marche mollo. Hein? Eh oui, vous écoutez l'émission de Louis-Paul Fafaralard à la radio communautaire, et c'est beaucoup plus intéressant que la radio commerciale, bien sûr, parce que...